think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. Galayaman ugayam galayaman Hanna kanin nandat dato Tain kanigan ganason Di kultura ang dilubong ugayam Kinatigkar kan respeto Dayaw kan kinapudno Yamanan mi da kayun apapu Gayam galhayaman, otyan nagdatingpo. Unman isutaku, nagito'y ngararapap mi sa paikma may bingay. Kadagiti daduma ng tattao. Ay 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 Malheureusement, la morale de cette histoire est vraie. Ça continue d'exister aujourd'hui autour du monde. C'est exister du commencement d'humanité. Aujourd'hui, le contraste des riches et des pauvres est plus fort que jamais. Autour du monde, millions d'enfants meurent à cause de la pauvreté. Dans ce même monde, des millions d'enfants reçoivent des jouets qu'ils n'ont pas besoin de tout. Les habitations en forme de boîte existent autour du monde, même dans les pays développés. Ils s'appellent les bidonvilles. Ces villes sont littéralement les habitations qui sont faites des bidons. Dans ces villes, l'humanité peut voir que beaucoup de problèmes sociaux, environnementaux et économiques existent. En ce moment, il y a une population de plus qu'un million qui vit dans les bidonvilles. En accord avec Practical Action 2013, ce nombre est prévu de doubler en 2020. Un des plus grands problèmes dans les bidonvilles autour du monde est le manque d'hygiène à cause de la croissance des déchets. Voici l'Inde, un des pays les plus grands dans le monde, avec une population de 1,25 billion en accord avec World Bank 2013. Cet pays plein de cultures et couleurs est aussi un des pays les plus pauvres, avec une population de plus que 67 millions qui vit dans les bidonvilles, en accord avec Rankine 2013. En plus, les géographes pensent que ces chiffres vont augmenter à 104 millions en 2017, en accord avec Daesh 2013. La plus grande cause d'inquiétude va être à cause de la surpopulation et la population limite d'une région donnée. Par exemple, à Bombay, les bidonvilles consistent 6% de la terre, mais contiennent 60% de la population, en accord avec The Guardian 2014. Les dommages sont très sévères. En accord avec le journal The New York Times 2015, diarrhea and malaria are common. Tuberculosis floats in the air, spread by coughing or spitting. Leur mot reflète sur l'Inde en particulier, mais ce problème est évident dans tous les bidonvilles autour du monde. Voici le Brésil, un autre grand pays avec une population de 206,1 millions en accord avec World Bank 2014. L'humanité peut voir les extrémités des riches et pauvres qui vivent dans ce pays exotique. En accord de Forbes 2013, la population des personnes qui vivent dans les favelas du Brésil sont 11,4 millions de personnes. La surpopulation de ces favelas cause beaucoup de dommages hygiéniques comme en Inde. Larissa Silva est un exemple de plus que 6 500 enfants qui vivent dans les favelas d'Arruda et Campina Barreto. Elle a 10 ans et en accord avec Vice News de 2015, elle a une teigne qui couvre 80% de son corps. La cause de cette maladie infectieuse est le contact direct avec le sol où les teignes sont trouvées pour qu'ils puissent entrer le système humain. Comme les favelas ne sont pas très propres, les maladies infectieuses sont un problème fréquent. Au Bangladesh, les géographes peuvent voir les mêmes événements se répéter.
Les journalistes du journal The Economist ont rapporté en 2014 que, in the slums of Tongji and Jessore in Bangladesh, 82% of respondents report that a member of their household has been sick in the past month. Tous ces effets du manque d'hygiène sont à cause de la surpopulation, le manque d'un système de déchets et le manque d'une priorité pour les services d'hygiène comme une salle de bain. Un grand problème social qui est très relié avec l'hygiène des bidonvilles est certainement le manque d'eau saine. En fait, d'avoir de l'eau est un accomplissement. En accord avec l'eau, are underinsured or not insured, they're in there destroying their businesses, their lives, their families, their futures, their legacy. They're not helping themselves. Come on. Voici la France, avec une population de 66,03 millions en accord de World Bank 2013. Même que ce pays est nommé le 21e pays le plus développé dans le monde, la pauvreté continue d'en y exister. Dans le bidonville de Marseille, la criminalité est un grand problème. Voici ce que l'OAE dit à propos des problèmes fréquents qu'il expérience. De la violence, on a des feux qui brûlent la nuit avec des plastiques toxiques, on a des voitures dortoirs devant le parking, on a des camions qui arrivent à toute bringue, on a du déchargement de cuivre, de fer, de métaux la nuit à 2h du matin, on a la musique tardive hier soir jusqu'à 3h du matin, des bagarres, des beuveries. À cause du manque d'un système propre pour ramasser les déchets dans les bidonvilles autour du monde, l'environnement est très vulnérable. Voici les Philippines, avec une population de 88,39 millions en accord avec World Bank 2013. Cet petit pays souffre beaucoup à cause de la pauvreté que ses habitants expérimentent. Ce pays plein de nature est en voie de destruction. Le bidonville fameux de Manila est construit sur les déchets. Avec le nom Trash Mountain, les géographes peuvent avoir une bonne idée de ce que cette communauté ressemble. Les peuples de son bidonville ont créé leur habitation sur une vieille décharge.
En accord de CNN 2010, cette décharge est une composition de déchets qui sont plus que 50 ans vieux. Les conséquences environnementales sont certainement présentes. Voici le lac de Belandur en Inde. Ce lac était si pollué qu'il a pris en feu à cause d'une mousse toxique qui y flottait pour quelques semaines. En accord du journal Huffington Post 2015, cet événement est très commun. À cause des produits chimiques et les eaux vannes qui vont dans le lac, l'eau est maintenant noire. La plupart des déchets viennent des bidonvilles qui sont proches. Dans le passé, les zones humides ont aidé à purifier l'eau, mais il était détruit. Cet événement peut démontrer aux géographes l'importance des terres humides dans la nature. Voici l'écologiste Desmond Marekodunmi de la Nigeria qui explique l'importance d'un propre système. Il y a beaucoup moins de déchets si les gens adoptaient le principe des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Nous devons réduire notre consommation qui est un problème mondial. Nous devons réutiliser et nous devons recycler. Il doit y avoir des réseaux d'aide sociale pour les personnes dans le besoin. L'enjeu économique est au centre des conflits dans tous les bidonvilles. La criminalité est pour la plupart à cause du manque d'argent. La prostitution est à cause du manque d'argent. L'absence d'un système de déchets est à cause du manque d'argent. Et la liste continue. Donc, en autre mot, la pauvreté joue un très grand rôle dans la création des bidonvilles, car pour la plupart du temps, c'est la cause que ces gens vivent dans ces habitations. Mais il y a certaines bidonvilles où les gens ne sont pas pauvres. Quelques sont même riches. Donc pourquoi est-ce qu'ils vivent dans ces communautés? Voici le bidonville de Dharavi en Inde. En accord du journal The New York Times 2015, ce bidonville contient plus qu'un million de peuples, mais c'est 33% de Central Park en New York. Ça peut vraiment montrer l'univers dans l'extrémité de la surpopulation. Cette bidonville qui crée la pauvreté contient le secteur informel de la travail, qui en fait est responsable pour la majorité de l'économie que l'Inde a. Aussi, elle contient 90% des emplois pour toute l'Inde. En accord avec Yardley 2015, Dharavi produit plus que 1,6 billion de dollars par année. Donc pourquoi est-ce que les peuples sont si pauvres? Une cause est car les peuples ne sont pas payés en équilibre du montant d'argent qu'ils font. La plupart des gens travaillent dans les usines, donc ils ne font pas beaucoup d'argent. En accord de la fondation de Rockefeller de 2013, l'abondance de le travail qui n'est pas cher cause une amélioration de l'économie des pays développés. Par exemple, si une chemise que les personnes peuvent acheter en Canada coûte 10 dollars, la personne qui l'a produit a reçu peut-être 50 sous. Les mondias sont aussi très communs. Une autre cause est car les peuples sont très occupés avec leur travail et famille, donc l'hygiène, par exemple, n'est pas une priorité. Dr. Pallavi Shak, qui travaille en Dharavi, a dit « People who come to Dharavi or other slum areas, their priority is not health, their priority is earning. » Edward Glaser, un économiste de l'Université de Harvard, a dit que les bidonvilles encouragent le commencement des entreprises et le travail fort. Il dit « We are missing the fact that while we would never want to spend a week or a month of our lives in these slums, the people who come there are not fooled. They are moving from places that are far worse. Slums are giving them opportunity, the ability to find a brighter future. » Les journalistes peuvent aussi voir une corrélation positive entre l'accumulation des déchets et l'économie. Une mère qui vit dans une favela du Brésil a dit aux journalistes qu'elle fait environ 55 dollars quand elle vend les produits d'aluminium qui viennent des déchets.
en accord de Corée 2014. Maintenant, le géographe peut faire le lien entre les déchets dans les bidonvilles et l'économie qu'il soutient. Ces conditions ne sont pas beaucoup plus différentes en Amérique du Nord, car la population des gens qui habitent dans ces bidonvilles aussi beaucoup augmente. En accord de CBC News 2013, 1 à 2 enfants des Premières Nations vivent dans la pauvreté en Canada. Canada, un pays riche qui est le 15e pays avec le plus grand GDP dans le monde en accord de CIA World Factbook, en effet inclut beaucoup de personnes pauvres. Même que Canada ne contient pas les bidonvilles comme en l'Inde au Brésil, elle contient des réserves qui sont très proches. Dans Manitoba et Saskatchewan, 64% des enfants indigènes vivent dans la pauvreté, comparé à 16% qui ne sont pas indigènes, en accord d'Amber Hildebrand de 2013. À cause de cette grande différence en pourcentage, les Canadiens commencent à considérer ce problème comme un enjeu social aussi, car seulement les peuples indigènes vivent dans les réserves. Heureusement, Save the Children Canada travaille maintenant pour résoudre ce problème grand. Il y a beaucoup d'autres organisations qui essaient d'aider les pauvres. Comme Nelson Mandela a dit, la pauvreté n'est pas un accident. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle a été faite par l'homme et peut être supprimée par des actions communes de l'humanité. C'est pourquoi beaucoup de gouvernements ont commencé de prendre les habitants des bidonvilles comme une priorité. Comme ça, ils ont commencé de détruire beaucoup de bidonvilles et dans leur place, ils ont commencé de construire les nouveaux bâtiments pour eux. Bien que beaucoup des habitants sont en opposition. Voici ce que Suhail Seth, une économiste en Dharavi, pense. We have a tragic way of dealing with rehabilitation in this country. We believe that we need to take people out from where they are, put them into multi-storied buildings, consume that land, and hope that we've succeeded. The Dharavi issue is not about relocation, it is about avarice. It is not about genuine benevolence, it's about greed. It's all about the land. It's not about the people. En conclusion, le monde continue de permettre l'ignorance des gens fortunés d'exister. Les bidonvilles sont les régions les plus vulnérables aux problèmes sociaux, environnementaux et économiques. Mais quand même, les enjeux technologiques, politiques et culturels sont aussi présents. Les bidonvilles sont les villes futures. Malheureusement, c'est trop tard d'avoir un fin à cette enquête. Mais l'humanité encore a la chance d'améliorer les vies de millions de personnes autour de la Terre. Il y aura toujours quelqu'un qui est faim, quelqu'un qui est nu, quelqu'un qui est sans abri. Mais avec les actions globales, une personne de moins va souffrir. Espérons que maintenant l'enfant qui vit dans le château sait à propos de l'enfant qui vit dans la boîte. Was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space.